Mais qu'est-ce que je fous dans les chambres des filles, moi? Pourquoi? Ouais. Salut tout le monde, bonjour. Ouais. Ça va quoi? Regarde ta main, regarde ta main, bordel. Regarde ta main, regarde. Ah oui, mais je sais pourquoi. Comment ça, tu sais? Attends, toi, tu te réveilles le matin, tu sais déjà. Mais non, mais ils nous l'ont dit. Bah oui, ils l'ont dit à moi. Ils nous l'ont dit, vous oubliez tout, vous. Dis-le-moi, man. Ils ont dit qu'ils allaient maudire tous ceux qui étaient partis dans le sous-sol. Mais on fait quoi? On en parle aujourd'hui? D'accord, mais le dire et nous faire apparaître un truc. Non, on dit qu'on a fait un tatouage parce que c'était un projet d'école. On était trop bourrés, on a fait une soirée. Ouais, il a plié en deux, un apéritif, bâtard. Et donc, du coup, elle dit quoi, la malédiction? Enfin. Mais frère, je suis pas malédictiologue, hein, j'en sais rien moi. Vas-y, on est mort, c'est fini. Eh, t'as cru c'était au Conan ou quoi, de la momie? Ah, mon prince charmant, ça va? Je suis pas une Indiana Jones, moi aussi. Salut. Oh, Roméo, es-tu vraiment Roméo? Je suis venu, c'est bien. Ça passe parce qu'elle est de chambre, tu te rappelles pas? T'as des cas? Ouais, je me rappelle, on a dormi télédié ensemble, ça fait plaisir. Oh, c'est pas dans la réforme, attends, attends. Ah oui, mais faut qu'on trouve Clétus. Non, vas-y. Non, il est en bas normalement. Non, Clétus, il est aux chiottes. Ah, d'accord. Bon, il est où, Clétus? Brandon, il est en train de chier une belle merde là. Brandon. Ah, merde, il y a eu des morts. Eh, niveau secret, c'est la merde. Hein. Elle est, bah, elle est niveau secret, elle est déjà en train de tout poucav. Mais non. Merci, je crois. Bah, Clétus, il a dit à Suzy aussi. Oh putain, bah, c'est déjà la merde. Ouais, c'est déjà la merde. On va aller discuter là. Elle me demandait où est-ce que j'étais passé cette nuit. Ah bah hier nuit on a fait une soirée mais tu dormais Nova. Ouais, prends-moi pour une conne, ouais, c'est pas ce qu'on allait me dire. Mais de quoi? T'allais dire quoi hein? Ah vas-y, t'allais dire quoi? Pour le moment j'étais... Kirby, t'as l'air heureuse, il s'est passé quelque chose avec Nova ou quoi? Non, il s'est rien passé. Des petits bisous là? Non, il s'est pas encore. Moi plus jamais je retouche. Bisou, moi, plus jamais je retouche à l'alcool hein, à cause de vous. On s'est tous fait des tatouages de merde attends, sur la main. Quoi? Du coup il s'est passé quoi? T'as disparu? C'est quoi ces tatouages que vous avez sur la main? Ouais, en fait, c'est... On a fait une soirée un peu alcoolisée. Pas beaucoup. Et ça a fini dans la salle des botanistes. Et au final on s'est tous réveillés et apparemment quelqu'un s'est souvenu. Mais on s'est dit on va tous faire un tatouage. Parce que tu dormais mais ça c'est... Mais tout le monde dormait. En gros, je t'explique, vous aviez tous disparu pour aller dans les tunnels. Donc on pense que vous êtes partis sans nous. Donc dans les quoi? Il y avait Clétus, mais les tunnels. Bah, elle parle de la pièce là. Ouais, d'ailleurs, bande de bâtards. Quel tunnel? Mais la pièce là. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais quelle pièce? La pièce dans le gymnase? Non, attendez les gars. Non mais Nova, elle est pas bête, elle était là. Il y a des bâtards, il y a 4 bâtards qui ont réussi à aller dans la pièce là. Attends, je vais vous dire un truc. Là, vous êtes tous sous la pièce, la grosse pièce là-haut. Ah, là. La pièce d'argent, je comprenais la pièce, la salle, ok. Mais j'ai rien compris, moi. Vous faites les cons là, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais je justement. Bon, il s'est passé quoi concrètement? Dis-moi les choses. Les rouges, bah en gros, voilà ce qui s'est passé. Les rouges Jordan, nous ont pris pour des cons. Jordan, il a baisé avec Aziz, voilà, je le dis. Quoi? Voilà, je le dis. Voilà, je le dis. Voilà. Non, vas-y. Bon, écoutez, vas-y. Maintenant, vas-y. Il voulait pas le dire. Il voulait ça. Ok. Mais vu que tu forces comme ça, il y a pas de problème. Ah, oh, tu me choques, man. Il lui a refait le cul dans non, la nuit. J'y crois pas. Et c'est pour ça qu'après c'est parti en fait. Il après, tu tout le monde. Me dis moi avec ma tête de moi le désert, je sais pas quoi. J'ai un bonhomme. Ah, y a pas moyen avec Aziz, qui est un vrai bonhomme. Y a moyen là. Ah ouais, je casse le deal. Vas-y, vous voulez que je vous dise quelque chose? Vas-y, je vais... Bah non, parce que là, qui t'a tout révélé, vas-y, je révèle tout, je m'en bats les couilles, je vais vider mon sac. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Oh là là, la dingue tout là. Brandon et Kevin, ils ont dormi ensemble, voilà. Voilà, voilà. Ouais, t'as bien entendu. T'as bien entendu. C'est pour ça que tu nous dis que t'es pas intéressé par les meufs. Voilà, t'as bien entendu. Toi, qu'est-ce que tu fous avec nous? Mais pas ce que t'as fait la dernière fois. Oh là! Ouais, d'ailleurs, t'as. Kevin, t'as fait. C'est celui qui s'est pas aligné deux mois à la suite. Tu comprends rien quand il parle. Ah, t'es charré! Avec sa coupe carré. Une brosse.
Et d'ailleurs, t'étais Yellow, toi, t'étais où, toi, cousine? De quoi j'étais où? J'étais avec vous, et puis après, je suis venue à la soirée, où on a un peu trop bu. Moi, je suis... Ça fait... Non, mais ça fait des soirées sans moi, y'a pas de soucis. Mais c'est pas grave, ce soir, on se l'armé. Ouais, c'est ça, dans vos... Attention, toi, tu l'armé pas, hein, Jordan. Ah, Brandon. Brandon. Non, mais on peut pas lui raconter un baby girl. Ah, je sais pas, parce que... Tu comprends pas quoi, quand on dit à personne. Quoi? Mais comment ça on dit à personne? Bah, on fait... voit rien du tout, man. Comment en fait... ça? Non mais... C'est ce qu'on a dit, fallait dire à personne. Mais non, moi j'étais pas là, moi y'a personne qui m'a rien dit, man. Hein. Ah, non mais, ah, oui, à la moi, fin j'ai dit, était... Non, oui, à la fin elle était pas là, non, elle était pas là. Maintenant, démerde-toi pour te rattraper de ce que t'as fait. Mais je lui ai rien dit encore. Oui, je sais, mais elle va s'en douter, donc démerde-toi pour lui enlever ses doutes, ok? Ouais, carré. Mais pourquoi il faut rien lui dire? Parce que c'est pas parce nous. Que c'est comme ça, c'est tout, pose pas de questions. On s'est tous dit ça, après, je sais pas. Tu peux la mettre en danger, en fait, avec ta, bah ouais, ta malédiction. Déjà, oui. Tu veux qu'elle meure? En fait, Kirby, je crois que tu comprends non, pas qu'on je a. Veux pas qu'elle meure, hey, je veux pas qu'elle meure. Écoute, mon petit Skittles, on a un autre problème là, t'as vu? Bah, mon petit Skittles, ça. Ah. Hey, non, mais le problème là. Le problème, ouais, il est clair. On est maudit, sa mère la pute. Donc là, on arrête les conneries. Je pense qu'il y a d'autres. Je sais pas, on est tous morts ce soir. Hein. Non, mais il y a d'autres préoccupations que ne pas dire à un tel ou un tel. On s'en bat les couilles. Si je meurs et que Jordan meurt, ça fait du 1 pour 1, ça me va. Eh, écoutez-moi bien, écoutez-moi. Eh, si jamais je meurs et que Brandon il meurt pas, vous l'enterrez pour moi, je m'en bats les couilles. Vivant, pas vivant. Si je meurs et que tu meurs, c'est le meilleur jour de ma vie. Je sais même pas si ta grosse tête elle passe là-bas. Ta grosse tête. 1 pour 1, carré. Oh là là, tiens, bah tiens, y'a ton petit chéri là, y'a ton petit chéri là. Si vous me dites qu'il faut rien dire, je dis rien. C'est lui, Kevin Brandon, mais tu le connais bien. Pas quel nom, baby girl. Je le connais pas, comment tu veux que je sache? Ah ouais, tu connais mieux un peu la forme de son petit cul, hein. Ah mais toi, par contre, t'as rien dit, hein. C'est toi qui a pris ou c'est lui qui a pris? Ah, je lui ai mis sa part, t'inquiète pas. Putain, mais t'inquiète pas qu'il a pas regretté. Ton excès de virilité, peut-être que il cache quelque chose, hein, Jordan. Je t'en veux, ma fleur des îles, je t'en veux. Dans le cas vu, hein, c'est ça, c'était les profs de botanique qui m'ont appris à dire ça. Ils t'ont appris à dire quoi? Tu l'as pris dans le cas vu. Cas vu? Je crois qu'il dit. Ouais, voilà. Ah, d'accord, dans le carré, cul. Carré, ok. Cabu, carré, le okay. cul. Hey, Kirby, tu vas pas m'apprendre la vie, cousine. T'es adorable, hein, je t'aime bien, mais. Comment ça? Quand tu dis ça? Vas-y, hey, vous savez quoi? Vas-y, j'en ai. Je suis content de vous retrouver, bande de bâtards. Et je suis vraiment pas contente hein, de ce que je viens d'entendre, hein, je te le dis, man. T'as entendu quoi, toi, encore? Bah, ce qu'il vient de dire, là, à l'instant. Comment ça, tu t'es fasciste? Je rêve. Ah, putain, mais fais un effort, c'est Brandon qui parle. Quoi? Bah, c'est Brandon qui parle. Bonjour. Oh là là. Excusez-moi. Oui. Je suis la seule qui me suis putain de réveillée avec un putain de tatouage. Mais là. Regarde. On est maudits. Malédiction. Arrêtez de stresser. On est juste maudits. Ça veut rien dire. Ouais, je suis juste. Oui, je suis juste dit à Jordan qu'ils allaient tous crever. Une malédiction, ça veut pas dire la mort. Ça se trouve, on aura juste la chiasse. Ils ont dit à Jordan qu'ils allaient nous tuer. La chiasse. Traquer et nous tuer. Ah. Dans ce cas, c'est plus que la chasse. Alors, mais l'excuse, c'est qu'on était en soirée très arrosée et qu'on s'est tous dit de faire un tatouage après... pour nous rappeler de cette année, ok? Oubliez pas une chose, ils parlent notre langue. Franchement, si on arrive à recommuniquer avec eux, on dit tout est de la faute. J'ai une question à poser. Je vais aller négocier, je vais leur donner. Je vais leur donner 2-3 canettes, 2-3 hamburgers et vous nous laissez tranquille, tu penses? Non, mais non, par contre, on va te donner toi, je pense, Brandon. T'en penses quoi, tes nouveaux potes là? Mais tout le monde voudrait que toi, tu sois sacrifié plutôt que moi, au cas où. Tout le monde? Mais tu connais tout le monde, toi? Ah ouais, je pense vraiment que t'es plus détesté que moi. Et si on pense pas Brandon, on va pas faire une compétition couille. Ça, je suis obligé, ça me fait chier carrément. Vas-y, dis-moi 2 personnes qui t'apprécient ici. Bah déjà. Ah, attends. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bah, Bachir, il est mort. Il est mort. Mais il est encore là, moi, je te le dis. Moi, je trouve ça juste Il a pris des claques de cow-boy, il est mort, je te dis. Eh, Jordan, moi, je l'apprécie, Brandon. Bachir putain, qui d'autre? Cherche pas, ça sert à rien de chercher. Attends, Kirby, t'apprécies Brandon, toi? Bien sûr que je l'apprécie, moi. Ah ouais, depuis quand tu l'apprécies? Yellow, tu m'apprécies? Depuis quelques temps, déjà. Ferme ta mère, maintenant. Vas-y, attends. Depuis quelques temps, depuis qu'on a discuté avec lui, baby girl. Quoi? Vous avez discuté de quoi? Le rat aussi, il m'apprécie, je viens de me rappeler. Le rat, il m'aime bien. Non, mais on est tous importants, les gars, là, on rigole pas avec ça. Ouais, c'est Brandon qui veut toujours faire des compétitions de taille de pénis alors qu'il a un micro-pénis. C'est toi qui a littéralement demandé combien de taille il y a pas... Ah, mais fermez-la, putain, on s'en fout, je veux pas mourir. Voilà, ouais, bon, voilà, carré. Elle veut pas mourir, ok.
Non mais écoutez, moi je pense qu'on devrait se renseigner. Vas-y, les revendications ont été entendues, tu mourras pas. Voilà, vas-y, c'est calme. Non, je pense qu'ils vont t'épargner du coup. Surtout qu'il y a sûrement quelque chose pour contrer cette malédiction. Tu aurais peut-être pensé à ça plutôt que vouloir sacrifier quelqu'un. Le prof dit, moi je vous le dis, le prof d'histoire. Puisqu'on est dans Yu-Gi-Oh aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on puisse contrer une malédiction. Avec ta coupe aussi là pendant qu'on y est. J'ai regardé un film. Moi je pense que On va mourir. Tu vas mourir. On va trouver. Mais arrête de la faire paniquer, man. Tu la fais paniquer là. Bah c'est vrai, il y a des monstres qui nous ont maudit. On a vu des loups-garous. Mais Brandon, tranquille, on peut contrer la malédiction. Brandon, est-ce j'active ma carte piège, ouais. Mais arrête, est-ce que c'est toi qui as le truc qu'on a créé tous ou pas? Non, qui l'a cette merde? À quoi ça sert ça? Bah je sais pas justement. Parce qu'on a créé quelque chose, hein. Et bien sûr, on a créé des monstres. On a créé notre mort ce soir, c'est vraiment... Oh là là, c'est sûr que ce soir... Vous savez quoi? En plus, ça craint la lumière ce soir. Regardez bien, coupure de courant et on est tous bouffés. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis une salope si je pars avant Brandon. Retenez bien ça. Jordan, j'ai une question. Pose-la, Brandon, ta question, c'est ton nouveau meilleur pote. Vous avez fini, là? Oh là là, arrêtez. Ils sont... moi, je veux juste savoir... Je te le donne, mon Malteser, t'inquiète. Quand t'as discuté avec les monstres, là... Ouais. Quand t'as discuté avec eux, ils ont essayé de discuter avec toi ou si... S'il y avait moyen qu'il te graille, il te graille quoi, genre. Ah non, s'il y avait moyen qu'il m'encule, il... tu vois. Ah ouais. Ah oui, oui. Je pense pas qu'il soit dans la négociation. Mais après, ils nous maudissent, on les a réveillés, ils devraient nous remercier. Ils ont dit, mot pour mot, on a maudit tous ceux qui sont venus. Bah la preuve, t'as vu, regardez vos mains, voilà. Hein, on va pas... Vous pensez que c'était comme une sorte de protection de l'endroit, peut-être? Oui, une malédiction, c'est quand tu protèges quelque part comme un tombeau, etc. Attends, si tu l'ouvres, t'es maudit. Ouais, mais... allez pas énerver Charme là, parce que sinon, attendez, vous parlez de tombeau. Elle est sœur Halliwell, calmez-vous. C'est la bête qu'elle a dit. Jouez tranquille là. Pas grave, ok. Non, mais écoutez, elle parle de tombeau et tout. On va en Égypte quand même. Y'a pas une coïncidence avec ça, les malédictions et tout? Ah, mais c'est sûr qu'on est en Égypte. Moi, je pensais que c'était une blague du directeur. Vous voulez, vous voulez réveiller Cléopâtre ou quoi, les gars? Y'a quoi maintenant? On en a fait assez là, peut-être, non? C'est pas mal déjà. Putain, t'imagines une Cléopâtre qui arrive comme ça devant toi? Non, mais on a déjà créé des monstres. Par contre, y aura peut-être Gims. Je l'aime bien, lui. Carré de fer. Ah ouais? Le collier du millénium. Mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Vous connaissez pas? Non. Non, vas-y. Dis-nous, man. Bah, c'est le collier du millénium. Ouais, il sert à quoi? Il sert à quoi? Vous avez regardé Yu-Gi-Oh? Non. Non. Bah non, mais vas-y, raconte, à toi de jouer, hein. C'est un puzzle. C'est un puzzle que si t'arrives à former, qui est très très difficile à former, qui forme un collier en forme de triangle. Et c'est le collier du millénium. Et ça te permet d'être en connexion avec un esprit directement qui t'aide lors de tes duels. Un ancien pharaon égyptien. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu pleures? Si jamais je trouve. Pourquoi je pleure? Clitoris, ouais, qu'est-ce que tu pleures, man? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié qui on a perdu hier? Écoute, Cléthus, écoute-moi. Si, par contre, mais peut-être qu'il est pas mort, peut-être qu'il s'est fait. Mais non, mais les gars, il est mort, vous voulez arrêter. Vous voyez qu'on est dans un film, je vous le dis, il est mort. Eh, moi, je vais pas mytho, hein. Je l'ai vu se prendre deux patates de daron, c'était terminé. Il est mort, il est mort. Écoute-moi, Cléthus. Mais peut-être qu'il est juste détenu. S'il a fait ça, c'est pour que nous, on vive. Donc maintenant, tu vas vivre avec le sourire. Parce que lui, il veut pas que tu pleures. Ok? T'as raison, putain, on va le venger. Non mais, ouais, le venger, tout est relatif, hein. Ok, il nous a sauvés, c'est pour qu'on vive, c'est pas pour qu'on le venge. Sinon, on va juste mourir aussi. C'est potentiellement notre dernière journée en tant que vivant, quoi. Mais ok. Eh, arrêtez de faire flipper. C'est la dernière journée avec Jordan, let's go. Bon, vas-y, je me casse. Mais non. Mais attendez, on l'a tous fait. Il est belle aujourd'hui. Ouais, belle. Ouais, merci. Elle est belle aujourd'hui, non, en partant de la fin. Ouais. En partant de la fin, j'en parle moche. Attends, faut que j'essaye de trouver Nova. Oh là là. Ça va ou quoi, Nova? On va? Ah ouais, c'est génial, ouais. On passe un bon moment là. Ça va ou quoi? Si on passe la table de ping-pong. Tu veux que je te dise la vérité? Je la sais déjà, la vérité. Bah voilà. De toute façon, c'était pas beau à savoir. Hein. Mis à part qu'on va sûrement mourir dans notre souffrance. C'est encore moins beau de se faire mettre par l'écart et trahir par ses potes. Et je t'ai pas mis à l'écart. C'est quelqu'un d'une autre classe qui m'a mis au courant. Vous traitez avec Yulou la petite là. Mais je t'ai pas mis. Qui m'a raquette. T'es pas mis à l'écart. Vous m'humiliez et vous faites des moments. Oh, tu m'écoutes ou pas là, cousine? Non, je t'écoute pas. Bah si je viens m'asseoir à ta table, c'est que je sais
t'ai pas mis à l'écart. J'ai besoin de personne à ma table. J'allais te le dire, si t'as besoin de quelqu'un. Mais non, j'ai besoin de personne, laisse-moi tranquille. Non, mais... Vas-y, attends, ok, mais, je te laisse tranquille. Mais... Sinon, ça va, t'as bien dormi ou quoi? Au fait, t'es au courant qu'il est. T'es au courant que Bachir est mort? Ouais, on me l'a annoncé. Mais apparemment, tout le monde s'en fout, il y a que les tuces. C'est quel Bobby? Bobby Junior. On s'en fout pas, non? Pourquoi tu dis ça? Après, moi, je vais pas te mytho, j'avais pas de lien de fou avec lui, hein. Genre, ça t'attriste? Bah, ouais, ça m'attriste de me dire que mes meilleurs potes ont été dans le tunnel, me le disent même pas. Tricote avec des gens qui nous ont trahis et en plus de ça, mais je vais te le dire. Nova, sincèrement, je t'en supplie, réfléchis deux minutes. Je viens. Pourquoi t'as porté tes couilles devant eux et tu ne l'as pas dit devant eux, t'as pas assumé ton amitié? Mais on a rien à foutre. C'est totalement assumé. C'est juste que Kirby, elle a dit tout un tas de conneries. C'est Cléthis, c'est Cléthis. Mais j'avais pas envie de parler devant eux, c'est tout. Si, il l'a dit, il vient de le dire là. Non, mais il l'a dit, mais il est pas faux. Ça va ou pas? Tu baisses qui que ce soit, toi? T'es moche, hein? Non. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais clouer le bec. Eh, hey, parle pas comme ça, hein. Hey, tu vas faire quoi? Fais gaffe, tu vas faire dégonfler sa grosse tête, là, fais gaffe. La seule réponse, c'est la violence, parce que tu sais que c'est vrai. Eh, hey, t'es surveillant dans une école, tu baisses personne. Mais j'en ai... Attends, peut-être même qu'il a baisé des titans, y'a moyen. Quoi? Ouais, bref. Bon, t'en penses quoi de tout ça, mis à part qu'on va sûrement mourir dans d'atroces souffrances? Bah, chacun sa merde, hein, du coup, hein, vu qu'on met les gens de côté. Vas-y, hey, c'est bon, tu vas t'en remettre ou pas? Parce que la tête de ma mère, si tu t'en remets pas très rapidement, je vais plus te parler de la soirée. Vous allez bien, tu te rends compte? Bah, me parle pas de la soirée. Mais je viens de me rasseoir à ta table, j'allais te le dire. Ah, vas-y, tu sais quoi, tu me gonfles. Et bah, casse-toi. Débile, hein. Attention à ce que tu dis, toi. Bon, eh, de toute façon, vraiment. Si je dois noter, parce que nous, les élèves, on est notés par rapport à nos aptitudes, nos compétences, nos connaissances. Y a plus de secrets, y a plus rien. Tout le monde a tout dit à Nova. Nova, elle fait la gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est possible? Rien, elle fait la gueule. Tu sers à rien. Tu lui as rien dit? Mais l'autre, les jaunes ont tout dit. Mais c'est mon but, je suis payé pour ça, espèce de trou du cul. Les jaunes ont tout dit. Bah oui. Donc résultat, alors c'est bon. Bah de résultat, elle nous fait la gueule. Qui va dire quoi? Mais moi, je suis payé pour la fin du mois, j'en ai rien à faire. Moi, je dis juste que tu peux. Moi, je voulais lui en parler. Oui, non, mais ça, c'est bien. Mais à la base, on devait pas en parler. Je viens, je prends mon bifton et je me casse. Bon, mais voilà, alors c'est bon, là, on peut tout dire. Ouais, mais non, elle nous fait la gueule. Ouais. Bon allez, réveille-toi bien. Là, elle est partie dans un délire de... Je t'en supplie, va te brosser les dents, tu pues de la gueule. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Vous êtes dégueulasse. Bobby, je peux te parler deux secondes? Bien sûr. Merci beaucoup, je te suis. Suceur, toi. Dès que quelqu'un parle mal de moi, tu lui attrapes la queue comme Aziz et tu suces non-stop. Je t'en supplie. Eh, ta tête de lampadaire, bâtard. Ferme ta gueule deux minutes. J'ai compris, j'ai une grosse tête. Non, mais c'est même pas une grosse tête. T'as une grosse pecou, t'as une grosse tête. T'es moche, regarde ton énorme veste. Oh, on dirait que tu t'es fait opérer des dents de sagesse, cousin. T'as des chaussures de costard alors que tu as une veste de sport. Eh, tu respires manuellement, c'est pas possible. L'air, elle passe pas là. De costard. Elle passe pas entre tes chicots. C'est un truc de fou. Mais tu vas mourir avant moi, je te le dis. Et si les monstres te tuent pas, c'est moi, je vais te tuer. Mais tu vas me tuer comment? Avec tu vas m'envoyer tes chicots comme des shurikens, bâtard. C'est pas marrant. Mais c'est pas marrant, mais frérot, ta tête est des choses. Respecte-toi, Brandon, c'est un truc de fou. Tu vas mourir, Jordan. Moi, je te le dis. Ah, c'est quoi? C'est des menaces de mort que tu me fais là? Ouais, c'est des menaces de mort. Mais non, ça va. Ouais, vous m'avez manqué, dis donc. Ouais. Bah vas-y, Brandon. Ouais, ça y est, là, j'ai pris quelques cours de Patoche. Bon, salut les gars, depuis, ça va Patoche est mort. Ça va, mon ami? Ouais, ça va, ouais. Vas-y, y a un mec qui se fait passer pour lui, alors. C'est mon seul ami, quoi maintenant. Ouais, attends. Y a un mec qui se fait passer pour qui? Bah, j'ai pris des cours particuliers de rééducation. Ouais. Y a un mec qui avait la même tête de Patoche, et je crois... Attends, mais tu passes... Mais Patoche est mort, hein. Patoche, je l'ai vu mourir sous mes yeux, moi. Bah, attends, mais ça veut dire que c'est une imitation de Patoche? Moi, mais non, y a pas d'imitation de Patoche. Bonsoir, les copains. Moi j'ai du vécu. Mais il avait la même tête que lui. Oh putain, Oh, merde. Il vient nous chercher. Il fait nul là. Il vient nous chercher. Ouais, il se passe quoi là? Arrête. Il se passe quoi là? Et t'as dit quoi? Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit, elle est venue me voir, elle m'a dit, ouais, c'est toi qui as raconté à Nova ce qui s'est passé. J'ai dit, ben non, j'allais lui en parler, mais vous m'avez tous pris par le colpack. Du coup, j'ai rien dit, je lui ai dit, c'est les jeunes apparemment qui l'ont raconté. Ouais. Non, mais ça va foutre la merde encore. Nova, elle a fait, regarde, elle boude là. C'est pas, on est d'accord, c'est pas nous. Vas-y, c'est bon, parce qu'on va se faire encore arracher. J'en ai ras le cul, hein. C'est normal aussi de lui dire. Ah, je sais pas. Moi, j'arrête de lui parler. Elle boude, elle fait pitié là. Elle est insupportable. Oh, eh, vous les femmes, hein, vous avez toujours vos règles, hein. C'est un truc de fou. Hein. Baby girl. Viens, baby girl. Non, c'est bon.
Vous êtes des hypocrites. Non. Vous êtes des hypocrites. C'est faux. Oh, t'as un vrai vibe. Pourquoi tu dis ça? Vous passez votre temps à cracher sur les autres, sur Brandon, faut pas lui faire confiance, et sur ceci et sur cela. Et quand il y a des vraies choses qui se passent, des choses qui... Tu connais cette expression? Eh, baby girl. Oui. Ça va, Nova? Oui, j'ai pas envie de parler. Et comment avec Francis quand tu J'en ai rien à foutre, si tu tiens vraiment à moi, t'aurais dû tenir ton amitié et leur dire mais, que vous emmerdez. Mais dans tous les cas, j'allais te le dire. Que ce soit après ou pas, mais tu vois, en soum-soum, caché. Tu vas comploter avec les gens qui me veulent. Pourquoi tu me touches les oreilles? Mais qui? C'est bizarre. Comploter avec qui? Bah, Yellow la pute pour commencer. Ah merde, j'avais oublié. Eh non, c'est juste qu'elle était là, mais c'est pas ça. Merci Grégoire. Merci Balkmog. Oulala et Tulo. Les rouges? Ouais, ils m'ont agressé, ils m'ont racket, ils ont des cocktails molotov. Ah oui, d'accord, ok, bon bah je vais faire pareil. T'es sûr de toi là, t'as vu, de ce que t'as vu? Ouais, je suis sûre à 100%. Non, c'est vrai, elle dit vrai. La neige, elle dit vrai. Cocktail molotov, ok. Ouais, ouais, ils m'ont traîné dans mon casier, pour me rassurer, ils avaient qu'il y avait à l'intérieur. Ils avaient même une espèce de spray pour brouiller le regard, tu sais. Comment on appelle ça déjà, les trucs qui est dans les bannis? Ah oui, ça aussi. Des bombes à poivre. Bah là le problème c'est que moi je sais pas trop comment on va réagir là en fait. Ça m'embête. Oui, ce soir on vous a organisé un petit voyage en Égypte là. On va en Égypte. Je vais garder ça dans un coin de ma tête, d'accord les filles? Oh putain. C'est pas mal aussi. Activez votre mégaphone. Et viens toi aussi Jordan. Ouais. Activez le mégaphone. De quoi? Viens, Jordan. Allez, viens, on va discuter. Moi, je l'aime. C'est bon? On va discuter où? Dehors ou en haut? Dans une chambre, vous voulez discuter où? Bah, viens, on va dans une chambre. Qu'est-ce qui se passe, baby girl? Dis-nous tout. Bah, c'est pas à moi de vous dire qu'est-ce qui se passe. Arrache-nous la gueule, s'il faut. Arrache-nous la gueule. Dis-moi ce qui va pas. Bah, je suis déçu, c'est tout. Mais, baby girl, pourquoi t'es déçu? Parce que j'ai appris que vous avez été dans le tunnel, que un de nos camarades est mort. Mais pas par les deux personnes en qui j'ai le plus confiance parce que vous voulez me cacher des choses. Non. Mais par Cletus. Eh. Non, je vais te dire un truc. Moi j'allais te le dire, baby girl. Et vous le savez dans tous les cas. Je vais te dire un truc. Ça aurait été moi, vous serez resté sur le carreau. Les autres, ils seraient venus m'entourer pour pas que je parle. J'aurais parlé. J'en ai rien à foutre de ces fils de pute, moi. Mais moi j'allais te le dire. Moi j'aurais dit, moi je leur cache rien. J'aurais pas fait genre, oh j'ai été à une soirée, machin. Je vous aurais pas pris pour un con. Devant les autres. Non, mais baby girl, moi, écoute, je vais t'expliquer. On allait te le dire encore une fois, moi, mais c'est juste qu'il y avait Brandon et Yellow et devant eux, on et parle alors, pas. Pourquoi vous parlez pas devant eux? Mais parce qu'on n'a pas parlé devant eux, on leur doit rien à eux deux. Écoute, baby girl, je t'explique dans leur scène. Mais on s'en fout, j'étais venu à ta table pour te le dire. Arrête de faire un peu aussi. En fait, toi, tu vois que ce qui t'arrange, c'est un truc de fou. Tu sais. Mais non, tu sais. Mais si, tu m'as vu m'asseoir à côté de toi et j'allais dire, tu veux que je t'explique? Je t'ai même dit, mes premiers mots, c'est tu veux que je t'explique ce qui s'est passé. Alors, abuse pas aussi. Attends. Vois pas que ce qui t'arrange. Vous dites pas devant les autres. Moi, je t'ai pris, parce que ça les regarde pas. Écoute, je t'ai pris à on part. On va déjà canner. J'allais t'en parler et là, je sais pas ce qui s'est passé. Brandon, il est arrivé. Il a. Attendez. Dis, mais pourquoi il veut pas te dire la vérité, tu captes? Et pourquoi tu lui as pas dit? Mais parce que justement, je voulais savoir où est-ce qu'il voulait en venir. Et après, ils m'ont dit, ouais. Vas-y, tu sais quoi? Moi, et je dis, mais comment ça? Je dis, pourquoi il faut écoute, rien écoute, dire? Écoute. T'as oublié attends. Hier, je sais pas quoi. Non, mais on va pas passer par quatre chemins. Écoute, c'est moi, je suis la seule personne de nous tous, de toute l'école, d'accord? Tu m'écoutes, non, voilà. Ouais. Je suis la seule personne de toute l'école qui réussit à communiquer avec ces bâtards qui ont été réveillés, d'accord? Et quand mais je dis quoi, ces bâtards. C'est des loups-garous, du coup? Mais non, c'est pas trop, c'est des sortes de momies, des trucs chelous, tu vois, des trucs qui a pas. Est-ce que c'est le genre de truc qui a. C'est moche. Ah, tu te souviens ce qu'on a vu courir dans le couloir? Tu te souviens ce qu'on a vu dans le couloir? Oui, est-ce que tu. Voilà, c'était ça. Sauf qu'ils étaient 5 ou 6, ils ont tué Bachir, on l'a vu, on a été traumatisés, ok? Bref, je suis le seul qui a réussi à discuter avec eux, d'accord? Et dans la discussion. Donc ils parlent notre langue? Écoute-moi bien, justement. Dans la discussion, tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, tous ceux qui sont venus dans le souterrain, vous êtes maudits et on va vous chasser, vous allez mourir. Donc, cousine, on monte. Bachir est mort, d'accord? Patoche est mort. Et en plus, les deux sont morts sous mes yeux, c'est incroyable. On est poursuivi par une sorte de mort-vivant, des trucs de fou. Ils nous disent qu'on va mourir. On a un putain de tatouage qui a apparu, Bachir sa mère. Bachir est mort, Bachir est mort. Tu te rends compte? Mais je l'ai dit, ça. On a un putain de tatouage qui a apparu. On a qu'à mettre du fond de teint dessus. On le voit plus. Non, mais la malédiction, elle est là. On va sûrement canner. Donc, mais c'est normal. Pourquoi c'est normal que les autres connards
Ils veulent rien dire, ils ont une armée. Ouais, parce que c'est à 4, ils vont réussir. Non, c'est pas ça, c'est je pense en vrai, je pense que quand on était remonté, Kirby elle est partie au lit, j'ai discuté un peu avec Amine et on s'est dit on dit rien à personne pour les protéger. Mais les protéger de quoi? Vous pensez que vous êtes des super-héros? À 4, vous allez rien faire, il faut qu'on soit tous ensemble justement pour les canesser. Moi j'étais pas au courant, j'étais pas là, moi je dormais moi. Je vais rectifier très vite le truc Nova. Ce que t'as pas compris, c'est qu'à 4 on fera rien, mais à 50 on fera rien non plus. Oh, ils ont des mains, sa mère, c'est des tubs, d'accord? Ils te mettent une gifle, tu disparais de la... T'es rayé de la surface de la planète, tu comprends? C'est ce qui s'est passé. Mais trouver une solution. Attends, tu dis de leurs mains, c'est des tubs. C'est ce qui s'est passé mais à Bashir. Attends. D'accord, mais dans ce cas-là, même si avec nos petites mains d'enfants, on fera rien, ou d'ado, mais avec 30 cerveaux au lieu de 5, eh ben on pourra peut-être trouver une solution et chercher ensemble. 30 cerveaux? Une malédiction, qu'est-ce qu'il faut pour conjurer une malédiction, généralement? Je restais bloqué sur ce que t'as dit. Ouais, je te jure. Mais on est tous bloqués, je pense que personne ne sait, on n'a même pas eu le temps de réfléchir. La pépite, elle servait dans le sous-sol alors ou pas? Non. Non mais là, en fait, faut comprendre que tous ceux qui sont allés dans le sous-sol, et donc nous aussi, on est considérés comme, on a réveillé un monstre. Mais on sait pas plus, en vrai on sait pas plus. Mais il y avait un giga monstre, baby girl. Attends, est-ce que j'ai pris une photo? Je vais t'envoyer ça. Il y avait un giga monstre en mer, énorme. Regarde, ah ouais, j'ai la photo, putain, faut que je t'envoie ça, baby girl. Pourquoi on fait pas simplement nos bagages et on se casse pas de cette école de merde, sérieux? Mais baby girl... Parce que sinon, y a pas de film, Nova. C'est totalement con. Je sais, mais... Connard, laisse-moi mettre ma réplique, ok? Ok, carré. Sinon, je peux pas t'envoyer la photo. De toute façon, dans les films, ils sont cons. Justement, quand il se passe un truc, ils restent sur les lieux. Bah moi, ce qui me rassure pas, c'est que dans les films, les Renois, ils meurent en premier, t'as vu? Et putain, je suis bien... Mais t'es pas un Renois. Ouais, mais je suis bien, je suis quand même basané de fou. Hein. Mais Kirby, c'est une Renois. Arrête, putain, man. Bah, tu vois, c'est ça le problème, en fait. Moi, je pense que Kirby, tu vas y passer en première, je te le dis. Mais tu dis, tu déconnes, regarde, C'est pas moi. T'es aussi bronzé que moi. Mais SMS, il marche pas, moi. J'espère que tu feras tout comme ça. Envoie-moi un email. Non, mais les SMS ont jamais marché, Nova. Comment je fais pour t'envoyer ça par mail? Bah, tu fais... Putain, la dinguerie, ça fait trop peur. Ah oui, attends, j'ai... T'as jamais écrit de mail? Oh, putain, Nova, faut que je t'envoie un truc. J'ai la photo. Ah, mon peu. Bah la photo, je les ai pris en photo, ces bâtards. Et là, on doit faire quoi? On doit aller en cours normal? Regarde dans tes mails. Regarde ce monstre abominable. Il est énorme. Et il y en avait plein dans les capsules. Capsules? Ouais. Capsules. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ma petite fleur des îles, j'espère que tu feras en sorte de me protéger quand même. Oh, Kirby. Bah bien sûr, je vais jamais te laisser mourir. Non, par là, moi je crois. C'est plus un bonhomme que toi, ma baby girl. Mais c'est pas ça. Kirby, il faut vraiment que je t'explique un truc. Et toi, niveau infiltration, sa mère, t'as loupé des jeux dans ta carrière. Tu vois, il y a des jeux, t'as pas joué. quand tu vois quelqu'un moi, comme ça. Moi, je suis fait pour aller au frontal, moi. Quand tu vois quelqu'un comme ça, viens pas en criant ma petite fleur des îles, comment ça se passe, ma petite fleur des îles? Je suis pas faite pour être discrète, moi je fonce dans le tas. Vas-y, fais comme Bashir et ouais, mais Bashir il a reçu 2 claques de daron, il est mort. Hein. Ouais, non, Bashir il est inconscient, c'est tout. Ouais, il est surtout un con. Moi je pense pas que Bashir il soit mort. Non, s'il est mort. Mais moi non plus, moi je pense, ça se trouve, il s'est transformé. Mais attendez, je me suis retourné, je l'ai vu de mes propres yeux. S'il est pas mort, je veux bien. Je sais pas, il a quoi dans son ADN? Mais il a reçu des vraies claques de daron. Mais man, hein. Peut-être qu'il s'est juste transformé. Transformé en quoi? Ben pareil, la même chose. Bah ouais. Bah dans ces cas-là, il est mort. Bah non, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc inverse pour qu'il redevienne humain. Tu veux trouver un nom au monstre? Ouais, faut qu'on leur trouve un nom, comme ça au moins les gens savent de quoi on parle. Peut-être qu'il y a un rituel ou j'en sais rien pour faire en sorte que tu vois. C'est ce que j'ai dit il y a 10 minutes, Kirby. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Non, Kirby, tu fais pas gaffe à grand chose. Je suis terrible. Oui. Écoute, moi je vais pas te mytho, t'as vu Nova, parce que ça sert à rien de bouder, je te le dis. Là, tu boudes comme boudère, tu ressembles à rien, alors que. Non, elle boude plus, hein, là. Non, c'est bon, je boude. Voilà, plus, bon. Ça s'est passé hier, c'est encore frais. Bashir, le temps qu'on comprenne tous que Bashir soit bien mort, tous ceux que tu vois avec le tatouage, tu dis rien à personne par contre. Tous ceux que tu vois avec le tatouage, ça veut dire qu'ils sont allés en bas et qu'ils ont fait l'expérience. On va les appeler les crochus. Bah, il a dit qu'ils avaient des grandes mains avec des bites et tout. Donc des grandes griffes, les crochus. Non, il a dit qu'ils avaient des mains de la taille d'une bite. Mais si tu réfléchis bien, vas-y quoi. C'est pas ouf. Bon, après, j'ai une bite de la taille d'une main.
Ok, on va les appeler les crochets. Ouais, vas-y, bah, laissons tomber. C'était pour la blague, c'était pour la et blague. Est-ce que vous savez, vous avez remarqué qu'on peut pas blaguer des faiblesses ou j'en sais rien ou pas? De quoi? Des faiblesses? Des faiblesses. Ah mais, ouais, ah j'ai bah. J'ai vu tout le monde paniquer quand la lumière s'éteint. Ah, il y a une belle faiblesse, hein. Bachir, il s'est mis en face d'eux, mort. Oui, mais d'accord. Ah non, non, on a essayé de les taser. Pourquoi tout le monde a paniqué quand la lumière s'est éteinte? Eh, hey, attends, tu non, sais on a essayé, on a essayé de les taser. C'est parce qu'il a trouvé Jordan. Dis-lui ce que t'as pris là-bas. J'ai pris quoi? Un virus. Ouais, mais ça, je pense qu'on en fera rien, malheureusement. Attends, il a pris un virus, ce malade. De quoi? Fais gaffe, Bébicor, c'est dangereux. Bah, ça ressemblait à une feuille de papier avec écrit virus dessus. Non, mais fais voir, je te le redonne après. Vas-y, non, mais fais gaffe, hein. Manipule tout ça avec précaution. Au moment où tu transformes, c'est bon, quoi. Après, tu peux sniffer, hein, je pense, ça craint rien. Attendez, je vais le goûter. Quoi? Mais non. Oh. Quoi? T'es complètement charmé. C'est dégueulasse, tiens, reprends ton vieux. Vas-y, carré. Mais attends, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Wow. Qu'est-ce attends. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça va, Nova? J'ai peur. Nova? Ah, oh. Bah ouais, ça va, pourquoi? Ah, bah vas-y, carré, carré. Allez, venez, on y va. Oh là 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 là. Allez, on se marie. Moi, je pense que c'est de l'eau dans ta fiole. T'avais juste un. Attends, comment ça ta fiole? Comment ça ta fiole? Bah quoi, non. Ta fiole? Quoi? C'est... À qui tu dis ça? À qui tu dis ça? Bah ta fiole! Quoi? Non mais, hé, Nova, je vais te casser la gueule là! Bah ta fiole! Non mais, hé, continue! Attends, tu parles à Kirby ou à moi là? Oh! À toi! Non, à toi, moi! Je parle de toi, ta fiole! Ouais. Oui! Écarte-toi, Kirby! Écarte-toi, Kirby! Hé, vas-y, non, arrête! Nova, t'arrêtes! J'ai pas envie d'en venir là! J'ai pas envie d'en venir là dans un putain de couloir! Calme-toi, ma petite fleur des îles! Qu'est-ce que tu fais? Bah, elle m'insulte! Elle parle de ta fiole! De ta fiole! Mais non, toi aussi, tu parles de ton virus! Ah, le virus, ouais! Ouais, y'a quoi? Ouais, le virus, y'a quoi? C'est une fiole! Ça, c'est une fiole! Tu parles? Ouais, ouais, j'ai compris! Bah, ouais, mais je sais! Bah, ouais! Bah, elle est à toi, donc c'est ta fiole! Tu vois, par contre. Vas-y, je me casse. Baby girl, pourquoi t'as dit chez ça? Je sais pas, je voulais voir si c'était dangereux ou pas. En fait, t'es assez un coup là, genre des îles. Mais on est en retard ou pas? Ah non, ça va. C'est une dinguerie là ce que t'as léché par contre. Je suis trop contente, y'a des connards qui vont mourir. Vous, ça m'arrange pas par contre. Non, non, mais arrête de dire ça, je veux pas mourir. Ah, je crois. Eh, Bobby, malheureusement, il va pas mourir. Ce connard, il est parti au lit. Putain, je suis dégoûté. Oh là là, mon super pote John. Mais là, je vais les niquer. C'est même pas ça, c'est que je vais les niquer. Ouais, ça va ou quoi? Oh, Clitus! T'as la chasse ou quoi? Pourquoi t'es triste comme ça? Tu parles à moi? Non, c'est parce qu'il a trop bu hier. Du coup, il a le bidon vrac et m'a dit. Ouais. Ah, bah oui, c'est ça. Ah, ouais, t'as la gueule de bois. Bah, ouais, de plus en forme. Non, toi, Aziz, t'as quitté? Putain, c'est pas vrai. Et toi, t'as la gueule de merde, d'accord? Et tu dis que de la merde, c'est incroyable, hein? Abandonne Aziz c'est un ça, peu! C'est marrant, passe à autre chose! La gueule de merde. Passe à autre chose, ça c'est marrant, bah ouais, tu ressembles à un putain d'étron, vas-y, viens, on se casse. Et pourquoi je sais même pas où on se casse? Mais non, mais c'est surtout. Non, non j'étais en train de regarder, de confirmer ce qu'il disait, j'étais. Non, mais c'est surtout que je savais pas où aller. Brandon, promis, j'ai rien dit, mais elle le savait déjà parce que Clétus a tout balancé. C'est bon, et pourquoi tu t'es. Voilà. Pourquoi tu parles à Brandon comme ça? Depuis quand tu parles comme ça? Tu pètes la gueule, sale bâtard! Putain! Comme ça, il y a pas de. Mais pourquoi tu lui as dit j'aurais pu me foutre de sa gueule toute la journée? Ah ouais, c'est vrai. T'as le traître, hein. Non, mais. Ouais. Voilà, donc bon. Justement, moi, je suis pas un traître. On s'est dit quelque chose à la fin de la soirée. Et c'est tout. Mais on va tous mourir, les gars. Eh, c'est bon, on va tous mourir. Les jaunes, de toute façon, ils l'ont dit à Nova, on s'en bat les couilles. Allez. Mais pourquoi vous êtes défaitistes comme ça? Mais parce qu'on a une putain de marque et ils ont dit qu'ils allaient nous pourchasser. Tu veux, tu t'attends à quoi? Kirby, c'est pas. Et Kirby, la fille, c'est pas un jeu vidéo, la tête de ma mère. C'est pas avec. Mon taser ou je sais pas quoi. Il a insulté ma mère. J'en ai plus, man. J'en ai plus, man. J'en ai plus, man. J'ai plus rien. J'ai plus mon passe. Bah si, t'as Nova, ça va. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami. C'est qui ton meilleur ami? Je suis désolé, mon meilleur ami, ouais. Et à tout moment, il est pas mort. Je suis effondré. À tout moment, il est pas mort en se faisant rafaler par des monstres extraterrestres. Écoute, on les a appelés les crochus. Il s'est peut-être juste transformé et il n'y a pas de moyen de le ramener en tant que. Mais non, c'est des conneries, tout ça. Ah oui, vu qu'on est dans Demon Slayer ici. Tu dis c'est des conneries, mais on a quand même vu des monstres. Tu dis Demon Slayer, il y a quand même des monstres sous l'école, hein, bon. Ouais, bon, et bah, sûrement des profs loups-garous d'ailleurs. Moi le seul truc que j'ai vu c'est une bande de mecs bizarres à poil là mettre des flugis à Bachia. Et il a totalement disparu de la surface de la Terre, c'est fini hein. Non mais ils avaient des boutons énormes sur eux. Genre des boutons genre des pustules.
Ouais. Hey, c'est exactement ce qu'on avait vu dans ce putain de couloir. Vous comprenez? Oui, exactement. Ouais, mais ça, on l'a vu, hein. C'est exactement le. Ah, mais non! Vous vous souvenez. Mais attendez, les gars, je suis en train de me. Je suis en train de me dire un truc. Yo, vous souvenez le prof là? Le prof là? Où il y avait la bête qui s'était échappée, le prof l'avait ramené ici avec la police. Ouais. Et ben, c'était ça. Sauf qu'on a réveillé, réveillé leurs d'armes. C'était des monstres. Voilà. Et il y en a plusieurs, on le sait qu'il y avait plusieurs monstres. Ouais, il y avait une sorte de. C'était un loup-garou, le cinquième, c'était un loup-garou. Ouais, il y avait un sorte de Hulk là, ce bâtard. Et on l'a vu, le loup-garou en dessous. Donc, ouais. Le prochain truc qui va apparaître, c'est un loup-garou. Il était juste endormi. Bah, après, Brandon, c'est nous qui l'avons fait apparaître. Mais j'ai une question à vous poser. Si Cletus a trouvé l'objet, on va dire, qu'elle est légendaire des lunettes qui fait qu'il voit dans la nuit, est-ce que ces monstres-là, ils ont pas peur de la lumière du jour? Et c'est pas fait exprès, justement. C'est pour ça qu'ils sont en sous-sol. Donc, tant qu'il fait jour, on est en sécurité. Ouais, mais malheureusement pour nous, il fait nuit plus de 9 heures par jour. Enfin, ouais, sauf qu'on part en Égypte ce soir, donc en attendant, ils vont rester bien accrochés sous leur tunnel de Qui sait ce qu'on va trouver en Égypte, hein. Il fait nuit en Égypte aussi, au cas où. Attends, Brandon, tu peux non, là, les gars, il faut faire le tour de l'école et trouver qui a des lampes torches pour les donner à ceux qui ont été qui ont la malédiction. Attends, tu crois vraiment que les lampes torches, ça suffit? Mais la lumière, ils ont pas de la lumière. Si t'as une lampe torche, tu peux les faire fuir. Donc là, tous ceux qui ont des lampes torches et qui sont pas marqués par la malédiction, il faut les donner à ceux qui ont la malédiction, déjà, pour commencer. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit au courant, pour qu'on serre la main, là. Ouais, ça serait bien, mais faudrait voir ça. Et ça fait mieux de se fracasser la gueule avec des lampes torches, autant les donner à ceux qui sont en danger. C'est dur de mettre tout le monde au courant quand rien que là, bah, t'avais Kefta et Kevin qui, devant les surveillants, disaient « Ouais, y'a Bachir qui est en bas qui s'est fait tuer par des trucs. » Ouais, enfin après, ils doivent se dire qu'on fait des délires à la con, tu vois. Mais ouais, attends, il était pas là, Kefta, on est d'accord? Non, c'est Cletus qui leur a dit. Mais c'est lui qui l'a dit. Mais bah alors pourquoi il a dit à Brandon, alors que c'est lui le premier à dire « Ah putain, attendez. » Et... Je sais pas. Mais au bout d'un moment, faut choisir parce que moi, ma classe, je les aime bien et je pense que si on leur demande de rien dire, ils fermeront leur gueule, ils vont être sérieux. Ouais, mais là, c'est Cletus, il a déjà dit à tout le monde, c'est mort. Hein. Il a dit à sa classe, quoi. Bah, donc tout le monde. Je sais pas si les pères, ils le savent. Promis à Aldoui. Bon, attendez, je reviens. Ouais. Moi, j'en ai deux à sauver, c'est les deux seuls que je sauve. Oh, Cletus. Oh. Ouais. Eh, Brandon, fais pas le nerveux. Cletus. Ouais, c'est... dis-moi. Mais en fait, c'est toi qui l'as dit à tout le monde. Bah, moi, j'ai dit au jaune, ouais. Ouais, et après c'est un autre jaune qui l'a dit à Nova et tout. Bah ouais, donc on fait quoi? C'est mort, tout le monde est au courant là maintenant. Bah oui, mais moi je maintiens que c'est tant mieux que tout le monde soit au courant. Comme ça, s'il nous arrive quelque chose, ils savent où nous trouver. De toute façon, ils ont rien pour rentrer. Et les profs les croiront jamais. Donc on s'en bat les couilles. Comment tu vois toi, comment tu veux la jouer, Brandon? Lui il est énervé, comment que tu veux... dit, mais c'est pas bah, grave. Bah oui, c'est normal. Si on s'était tous dit de pas le dire. Oui, mais non, c'est pas tous dit ça. Quand vous l'avez dit, moi j'étais pas d'accord. Hein. Dans la chambre, quand Amine il a dit, vous le dites à personne. Il y avait 23 personnes d'accord contre une personne pas d'accord, t'aurais pu, voilà quoi. Ouais, mais moi je maintiens ma version, c'est que s'il nous arrive quelque chose, au moins ils savent où nous trouver. Bah, au moins il y aura Kefta qui va pouvoir prévenir l'armée qu'on est enterré dans un sous-sol et. Au moins, il y a des flics tout le temps dans l'école, au moins, je te jure que d'un point de vue logique, c'est logique. Pour moi, il fallait attendre un peu avant de prévenir les gens. Ah, c'est pas grave, c'est fait. C'est pas grave, de toute façon, c'est passé. L'idée d'avoir une lampe torche là pour tous ceux qui ont le saut, c'est comment? Je crois que ça leur faisait du mal quand on courait dans le sous-sol. Ouais. Moi j'en ai une perso. Moi j'en ai pas, moi. Nickel, bah j'en ai pas. Je pense qu'il faudra juste faire des duos ou des trios avec ceux qui ont des lampes torches, c'est tout. Ouais, on va recenser toutes les lampes torches du groupe qui était en bas. Et faire des duos trio histoire de tout le temps être en sécurité la nuit. Sa mère, le soleil, ouais, il m'a fracassé d'un coup. Ok, carré. Eh, attends, le boîtier de hacking, tu l'as encore, Jordan? Ouais. Parce qu'il y avait pas mal d'ordinateurs en bas. C'est peut-être là-bas qu'on doit l'utiliser. Eh, moi je vous le dis, hein, pépite d'or, boîtier de hacking et tout, je pense que ça sert plus à rien. Moi je pense que la pépite d'or, elle peut servir en Égypte. Ouais, c'est sûr. Ah, ça, je suis d'accord. Genre, si on la met en haut de la pyramide, l'électricité. Ouais, et tout. Bon, après, je pense pas qu'on pourrait aller au-dessus d'une pyramide, mais. Ouais. Mais c'est à quelle heure le départ pour l'Égypte d'ailleurs? C'est quand même un monument protégé. Hein. Mais par contre. Ok. Ouais, oui, mais protégé par qui? C'est ça la question. Par Maître Gims. Qui tire les ficelles des pyramides? Tu vois, Brandon, c'est ça le problème. Je sais pas. Bah oui. Qui tire les ficelles des appartements raviolis? Je sais pas, qui? Mais non, mais c'est la question que je te pose. J'en sais rien, moi, qui? Qui tire les ficelles des plaques tournantes de la drogue? Qui? Tu vois, trop de questions et résultat, on va tous mourir, putain, vas-y. Casse les couilles.
to me, so don't you bother looking this way. Put a thousand on me, I just got wifey by like 6 rings. Tried to say they ballin', but that isn't what they bitch say. Doing all I want, it's on the regular. I talk that money talk, it's on my cellular. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them.